Vous savez, notre football n'est pas géré avec la rigueur. Il manque le professionnalisme et il manque la rigueur. Et il y a aussi, je ne sais pas si c'est fait exprès, il y a de l'ignorance aussi. Parce qu'on ne peut pas, je vous donne juste un exemple. Quand nous, on va prendre la Fédé, aucun des membres du comité exécutif ne sera salarié. Mais fouillez, vous allez voir, par le passé, tu peux voir un membre du comité exécutif et qui est en même temps salarié. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous le savez, qui ils sont, et cela doit être interdit, ou même profiter du marché de la Fédé alors qu'ils sont dans le comité exécutif. Et quand je vois certaines listes aujourd'hui, ces mêmes personnes, certaines mêmes personnes font partir. Il faut changer. Ils ont peur, les gens ont peur de ce changement-là. Quand tu as choisi d'être dirigeant, en tout cas dans le comité exécutif, eh bien, tu n'as pas à être salarié ou bénéficier du marché de la Fédé. Avec nous, ça ne se passera pas.